Le premier mot qui me viendrait à l'esprit, c'est confortable. La C5 Aircross, c'est vraiment dans l'ADN de la marque. Tout est fait pour que le client se sente très en confort dans la voiture. La nouvelle C5 Aircross intègre le Highway Driver Assist, qui est un système d'aide à la conduite de niveau 2. Ce système intègre le régulateur actif, le maintien dans la voie actif, et puis l'interdistance par rapport au véhicule qui nous précède. Le combiné 12,3 pouces est complètement personnalisable. On peut y retrouver des informations telles que les aides à la conduite, bien sûr, tout le système de flux lié à l'hybridation, et il y a aussi le report de la cartographie qui évite de détourner le regard quand on conduit. C'est un vrai plus pour la sécurité et le confort. Nous avons une nouvelle offre d'infotainment avec à l'axe véhicule une tablette tactile qui fait maintenant 10 pouces. Cette nouvelle tablette tactile offre par exemple la possibilité d'avoir les commandes de climatisation en permanence accessibles. Dans cette nouvelle C5 Aircross, nous continuons l'offre d'hybridation. Nous avons un moteur hybride qui cumule un moteur thermique de 180 chevaux avec une boîte automatique 8 rapports et un moteur électrique qui lui fait 110 chevaux. Le fait d'avoir une batterie de 13,2 kW permet quotidiennement de pouvoir faire jusqu'à 55 km en tout électrique. Plus que jamais, la nouvelle C5 Aircross se positionne comme un SUV aux nouvelles technologies de dernière génération.